Alors, je prendrai des libertés aujourd'hui dans mes exhortations. Je prendrai ce qui est derrière, je prendrai ce qui est devant pour pouvoir partager avec les frères et sœurs que vous êtes, les frères et sœurs parfois qui nous suivent à distance. Je commence par un verset que vous connaissez bien, Philippiens chapitre 2, le verset 12. Philippiens, l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, le verset 12. La parole. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Vous savez, j'aime beaucoup la parole et surtout certaines nuances parce que ça nous permet d'ajuster certaines choses. Certains versets, on les lit et puis on se fait sa propre idée. Sans trop se dire, est-ce que on est vraiment là où il fallait être dans la compréhension de cette parole. Travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous sommes fiers de toi. Fiers de t'avoir pour Dieu, fiers de t'avoir pour chef de nos vies. Fier de toi pour tout ce que tu as fait. Quand, comme disait le psalmiste, quand je vois le ciel, quand je vois la terre, quand je vois les océans, œuvre de tes mains, la lune, les étoiles que tu créas, qu'est-ce que l'homme, ô Éternel, pour que tu prennes garde à lui. Seigneur notre Dieu, nous sommes fiers de toi. Fier de t'avoir pour roi, pour père, pour sauveur, pour un Dieu proche, puisque tu dis toi-même dans ta parole que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Tu es un Dieu tout puissant, mais proche des hommes que tu as créés à ton image. Nous sommes heureux de t'avoir, nous sommes fiers de toi. Maintenant, Seigneur, révèle-toi au travers des paroles d'un homme. Parle à nos cœurs, parle à notre intelligence. Fais arriver tes pensées dans nos pensées pour qu'elles influencent notre agir de tous les jours. Bénis donc chacun de nous tous. Merci pour la maison de prière que tu nous as donnée. C'est un lieu favorable pour réfléchir sur les choses utiles de la vie. Bénis donc, bénis donc, bénis donc encore. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais partager le plus abondamment que je peux sur les effets de la nouvelle vie. Et je les ai aussi appelés les effets divins dans nos vies. Les effets divins dans nos vies, les effets de la nouvelle vie. Vous connaissez 2 Corinthiens 5, 17 qui parle de la nouvelle vie. Que nous qui avons reçu Jésus, nous avons reçu la nouvelle vie. C'est une vie nouvelle. Et cette vie nouvelle se mêle à une vieille vie. Ce qui fait que assez facilement, on peut se retrouver tantôt né de nouveau, tantôt comme ci, comme ça. Donc, parce que les deux vies vont ensemble. J'ai souvent accepté que je répète cette phrase de Martin Luther, le grand théologien allemand, celui-là qui a corrigé l'Église catholique par 95 fautes, ce qu'on appelle 95 thèses qu'il a affichées.
Eh bien, cet homme de Dieu, un jour, il a dit, mes frères et sœurs, je suis allé à la rivière pour noyer ma chair, mais j'avais oublié qu'elle savait nager. Ce qui fait que, au fait, la vie chrétienne que nous menons a une cousine en nous qui s'appelle la chair. Une cousine. Donc, tu as la chair en toi. Si un grand homme de Dieu comme Martin Luther pouvait dire que je suis allé à la rivière pour noyer la chair, afin que la chair ne soit plus, que je sois pur, parfait, parce que je suis né de nouveau, je suis une nouvelle créature. Mais quand il a fini de noyer la chair, il rentre à la maison, mais quand il regarde derrière, la chair est en train de continuer à le suivre, parce que la chair est encore là. Alors, c'est à ce moment-là que la préoccupation qui est la mienne, qui me pousse à partager ce que je partage aujourd'hui, devient sérieuse, que nous devons libérer les effets divins qu'il y a dans notre nouvelle vie. Nous devons les libérer, et cela a un devoir. Travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. Pas parce que nous risquons de perdre le salut. C'est pas ça le but de l'apôtre Paul, quand il est en train d'en parler. D'ailleurs, dans le même verset où il est en train de parler de travailler à notre salut avec crainte et tremblement, il s'adresse à des gens qui ont toujours obéi. Il s'adresse à des gens qui sont obéissants à la parole de Dieu. Donc ce n'est pas, le but n'est pas que sinon vous allez le perdre. Non. Rendez-le rentable. Rendez-le rentable. Rendez votre salut rentable. Parce que notre monde a besoin des hommes et des femmes sauvés pour qu'ils puissent influencer notre monde. Oui, le monde a besoin d'être influencé. C'est pourquoi Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. C'est quand nous rendons notre vie chrétienne rentable que le sel de la terre, la lumière du monde s'accomplisse au travers de notre comportement et de notre vie. Vous savez, il y a parfois des gens qui ne croient pas, mais qui sont parfois, quand ils nous regardent, qui veulent voir plus que ce que nous sommes et ce que nous manifestons. Il y a un célèbre idéologue communiste, un russe, un jour, après avoir lu la Bible, il a dit, ce que j'ai lu dans l'évangile, si j'étais chrétien, j'abandonnerais tout et je me consacrerais à ne vivre que ce qui se trouve dans l'évangile. Tellement ce qui est dans l'évangile est révolutionnaire. C'est un païen, un athée qui a dit ça. Si les chrétiens comprennent ce qui se trouve dans leur Bible et que moi je sois l'un d'eux, j'abandonnerai tout pour me consacrer à cela. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Quand Jésus entre dans le monde par un chemin simple, un chemin simple, la naissance, il entre dans le monde. Mais dès qu'il entre dans le monde, il rend disponible trois dimensions de la vie que j'ai appelées trois sortes de vie le vendredi dans notre méditation. Et je voudrais vous les rappeler parce que ces effets, n'est-ce pas, divins, se trouvent bien exprimés dans l'une de ces deux, trois vies. La première vie, donc, c'est la vie nouvelle. Quand nous comprenons le message du salut, Dieu nous parle par l'évangéliste et nous comprenons et nous plaçons notre foi en Jésus-Christ. Eh bien, il y a le pardon des péchés qui est libéré. Les péchés sont pardonnés. Vous savez, notre Dieu, quand il donne la nouvelle vie, cette nouvelle vie procède par l'annulation de nos dettes du péché. Les péchés sont pardonnés. Yom Kippour,
Les jours pour couvrir. C'est ça l'expression chez les Juifs. Quand on parle du pardon, donc le pardon ne commence pas avec l'évangile des chrétiens. C'est tout un jour fêté par les Juifs. Il y a le Yom Kippour. Yom veut dire jour. Kippour veut dire couvrir. Le jour où on couvre les fautes des hommes. Et c'est ça la caractéristique de tout, et le centre même de toute la vie chrétienne, c'est Yom Kippour. En sorte que lorsque nous travaillons à notre salut avec crainte et tremblement, eh bien nous sommes dans le Yom Kippour. Nous sommes des spécialistes pour couvrir les fautes des gens. En commençant par couvrir nos propres fautes en s'en séparant, mais aussi nous couvrons les fautes des autres. Le Yom Kippour. Les Yom Kippour. Pas les hommes qui exposent les fautes des autres. Qui exposent. Non, non, non. Ça serait le contraire de l'évangile. Mais c'est les Yom Kippour qui couvre. Qui couvre les fautes. Parce que les fautes, les péchés sentent mauvais. Et il ne faut pas répandre un climat nauséabond. Non, non, non. Il faut répandre la bonne nouvelle. Il faut répandre la victoire de Jésus. Il faut répandre ce que Jésus... Vous pouvez vous imaginer. Dieu envoie son Fils sur la terre pour venir couvrir les fautes. Pour venir couvrir tes fautes. Pour qu'on ne voit pas ta nudité, pour qu'on ne voit pas que tu ne parles pas bien, qu'on ne voit pas tes fautes, que tu te fâches, que tu injuries, que tu es violent, qu'on ne voit pas ça. Jésus entre dans le monde pour couvrir tout ça, pour qu'on ne voit plus ça. Mais en plus, pour que tu ne sois plus jugé sur base de ça. C'est ça la profondeur. Alléluia. Et alors, pour que nous puissions mener une vie pure au jour le jour. Au jour le jour. Vie pure au jour le jour. Au jour le jour. Mes frères et sœurs, si tu as un salut, alors rends-le palpable. Vis-le si tu as le salut. Le salut, c'est une chose qui existe et que Dieu donne. Jésus ne s'appellerait jamais sauveur s'il ne donnait pas le salut. S'il donne le salut, tu l'as. Et si tu l'as, vis-le. C'est une réalité. Et ce salut-là, quand il est là, il produit des hommes et des femmes nouveaux. Tu dois être nouveau dans tout ton comportement. Au jour, les jours, travaille à ton salut avec crainte et tremblement. En vivant au jour, les jours, une vie nouvelle. C'est un problème de rendre rentable. Ce n'est pas un problème de perdre, mais un problème de rendre réel. Une des choses que j'ai apprises, de spéciales, de particulières, en venant étudier en Europe, en faisant l'université en Europe, une chose particulière, c'est que c'est ce que je pourrais appeler carrière. Lorsque tu étudies, tu entres dans une carrière. J'avais commencé les études supérieures en Afrique. Mais là-bas, la préoccupation était réussir les interrogations et réussir les examens. Et espérer qu'un jour j'aie mon diplôme dans le domaine. Et qualifier en sorte que les gens peuvent dire, il a tel diplôme. Mais ici, en Occident, quand tu entres à l'université dans un domaine, tu vas faire carrière, c'est-à-dire tout ce que tu apprends, tu apprends, tu vas commencer à le pratiquer. Si tu es un ingénieur, tu vas commencer à produire les effets de ton ingénierat. On pourra parler de maisons que tu as, de buildings que tu as construits, tes réalisations, et ainsi de suite. Si tu es médecin, tu te réveilles le matin, tu es médecin. Tu passes ta journée, tu es médecin. Tu termines la journée, tu es médecin. Tu vas à l'hôpital et tu es médecin. Quand tu entres dans un bureau d'un médecin, il suffit de voir sa bibliothèque. Il est au courant des nouvelles découvertes. Il est au courant que pour la fièvre, il y a un nouveau médicament qui vient de sortir en Chine. Et nous l'attendons, il va entrer. Et pour ce qui concerne le problème là de...
pour l'anesthésie, on ne peut plus utiliser ce qu'on utilisait autrefois. Parce qu'il y a quelque chose d'autre. Que, c'est une carrière. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez à votre salut. Il faut que le salut devienne une réalité de chaque jour. Ce n'est pas qu'on nous a collé un petit truc quelque part, comme un autocollant, on a écrit dessus « sauvé ». Non, c'est une réalité vécue, c'est une réalité existentielle de chaque jour. Au travail, on le voit. Dans le métro où tu entres, on le voit. Dans la famille, on le voit. À l'église, on le voit. Amen. Jésus, un jour, il parle de ça. Il dit, quand tu allumes une lampe, où la mets-tu? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore... On comprend. Hein? Quand on lit une telle parole, on comprend qu'à l'époque, il n'y avait pas encore les ampoules comme ça. Quand tu allumes une lampe, où est-ce que tu la mets? Tu ne veux pas la mettre sous la table. Amen. Notre salut, c'est une lumière qui est allumée par le Saint-Esprit en nous. Et nous ne pouvons pas la mettre sous le boisseau. Il faut mettre sur le porte-lampe afin que les gens qui entrent pas voient la lampe, mais voient la lumière, profitent de la lumière que la lampe produit. Très peu de gens entreraient dans ta maison et fixent l'ampoule. Ils sont en train de regarder l'ampoule. Non. Ce n'est pas ce qui les intéresse, c'est les effets. Amen. Les effets divins de notre salut. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, afin qu'il produise des effets. Les hommes veulent voir les effets de notre salut. Le salut existe. Ça change l'homme. Ça change la femme. Ça te donne un nouveau caractère. Ça te rend plus humble. Ça te rend plein de maîtrise de soi. Ça purifie ton cœur, ça change ton langage, ça change même ta manière de t'habiller, ça change tout, ça te rend différent. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. La deuxième vie que Jésus nous apporte, comme nous l'avons vu vendredi, c'est qu'il nous apporte la vie abondante. Une vie abondante. Mes frères et sœurs, quand tu es en Christ, tu as une vie abondante. Et si tu travailles à ton salut pour la vie abondante, tu comprendras qu'il y a certains langages qu'on ne doit plus t'entendre. Comme par exemple se plaindre, se murmurer. Je manque ceci, je manque cela. Non. Ton salut comprend une vie abondante. Mes frères et sœurs, c'est ce que la Bible dit. Dans le salut, il y a la vie abondante. Et nous avons vu les caractéristiques de cette vie abondante. Je vous les rappelle tout simplement. Premièrement, l'exaucement des prières. Amen. Vous savez, quand vous savez que Dieu exauce la prière, ça change ta manière de prier. Tu ne pries pas comme quelqu'un qui récite des phrases qu'il a entendues quelque part. Tu pries comme quelqu'un qui s'adresse à un Dieu tout-puissant. Vous savez, il y a certains qui pensent, moi je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer un chef d'État, je ne me souviens pas en tout cas, avoir été avec un chef d'État dans son bureau. Il y a des gens qui pensent que quand tu entres chez un chef d'État, tu peux sortir de là avec quelque chose. Il y a comme un espoir que tu sortiras de là, même s'il ne te donnera rien, mais il y a comme l'espoir que tu sortiras de là avec quelque chose. Tu sortiras de là avec quelque chose. Quand tu pries au Dieu tout-puissant, riche, tout-puissant, au fait, Dieu, c'est merveilleux. Dieu, donc, Dieu peut tout. Dieu a tout. Dieu est tout puissant. Maintenant, tu te mets à lui parler. Tu es en contact avec lui. Quand tu comprends ça, tu ne peux plus prier pour prier. Quand tu fermes les yeux, tu sais que tu es en train de bousculer la terre. Beaucoup de choses peuvent être bousculées.
Je vous ai raconté un jour la prière, un homme de prière du nom de John Knox. John Knox, quand il priait, ses prières étaient d'office écrites. Ceux qui l'entendaient prier, mettaient par écrit. Pas seulement écrire dans les cahiers de notes pour qu'on s'en souvienne, mais publier quand il priait. Une seule phrase, on l'a publiée. Tellement sa manière de prier était révolutionnaire. Révolutionnaire. Un jour, je vous donne juste une phrase. Dans quelque part, j'ai noté au moins 6 phrases de lui. Mais je vous en donne une dont je me souviens précisément. Seigneur, donne-moi l'Écosse où je meurs. Vous comprenez? La prière d'un seul homme qui se met à dire, donne-moi l'Écosse où je meurs. C'est-à-dire que maintenant que j'ai parlé, maintenant que j'ai demandé, sauve tous les Écossais. Si tu ne le fais pas, moi je meurs. Dis-moi. Ça, c'est la prière de cet homme-là. Mon frère, ma sœur, vous savez, il y a beaucoup de gens qui se plaignent plus des problèmes qu'ils ne rencontrent Dieu pour lui donner les problèmes. On se plaint des problèmes. Frères et sœurs, ça c'est Satan. Quand on travaille à son salut avec crainte et tremblement, on ne se plaint pas des problèmes, mais on les donne à Dieu dans une prière du type « Change ça ou je meurs !» Parce que tu sais que c'est la source de puissance pour changer la situation. Tu n'es pas dans une situation fatale, mon frère, ma sœur. C'est une vie abondante qui touche tout, abondante parce qu'elle touche tous les domaines de la vie. Nous avons vu 4 choses, j'en ajoute une aujourd'hui. Donc, d'abord, exaucement de prière. Deuxièmement, les effets de la nouvelle vie que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui. Troisièmement, j'avais noté la protection divine. Dans la vie abondante, il y a la protection. J'ai entendu une de nos sœurs en train de prier, qu'elle avait vu, qu'elle avait entendu que les colons étaient à la porte. Mais si elle est vivante aujourd'hui, c'est parce que probablement ils n'y sont pas entrés. Il y a la protection dans la vie abondante. Alléluia. Il y a la protection. Dieu protège ses enfants. Dieu protège. Tu n'es pas dans une fatalité. Je n'en peux rien. Maintenant que ça arrive, ça arrive. Non. Tu as la vie abondante parce que tu es dans ton salut. Et toi, travaille avec crainte et tremblement pour que tout ce qui est dans ton salut, tu puisses le vivre. Et la restauration des dégâts. Il y aura des moments où il y aura des coups qui ratent, qui t'atteignent, qui te touchent. Hein? Eh bien, il y a la dans la vie abondante, il y a la restauration des dégâts. Dieu va le faire. Mais la 5e chose que je n'ai pas dite l'autre fois, c'est l'accomplissement des grandes choses. Alléluia. L'accomplissement de quoi? Des grandes choses. L'accomplissement des grandes choses se trouve dans notre vie abondante. L'accomplissement des grandes choses. Ne laissez pas quelques frères croire que le monde sera mieux demain. Ne laissez pas quelques sœurs croire que notre église peut devenir l'une des plus grandes églises pendant notre génération. Ne laissez pas un seul croire. Tu es concerné si tu as le salut. Tu dois travailler avec tremblement à ton salut. Et que tout ce que Dieu a prévu dans ton salut s'accomplisse. C'est ça, travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Alléluia. Que tout ce que Dieu a prévu en nous sauvant s'accomplisse. Que tu le vois s'accomplir de tes jours. Que tu le vois s'accomplir. Tu es concerné pour voir de grandes choses s'accomplir, pour influencer notre monde. Dans les saluts des hommes et des femmes que Dieu a sauvés, il y a le pouvoir de changer notre monde et d'intervenir. Ne table pas sur le minimum, mon frère, ma sœur. Ne table pas sur le minimum. Dans ton salut, il y a la grandeur.
La grandeur de Dieu est signalée là-dedans. Ça porte une signature. Ça porte une signature. Vous connaissez le prix des œuvres d'art. Certaines œuvres d'art coûtent des millions. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Ce n'est pas nécessairement la beauté qui se dégage d'un tableau, d'une œuvre, d'une peinture. Ce n'est pas seulement sa beauté. Non. Ce qui fait la différence, c'est la signature. Amen. Quand tu vois 5 millions, tes yeux iront où? À la signature. Et tu verras Picasso. Dès que tu vois ça, tu dis, ah, maintenant je comprends. Pourquoi ce sont des millions? Mon frère, ma soeur, ton salut est signé Jésus-Christ. Et parce que c'est signé Jésus-Christ, il faut t'attendre à de grandes choses. Ne te contente pas de t'échapper de l'enfer. C'est réduire le salut. Le salut est plus riche que ça. Et c'est la raison pour laquelle nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Cette crainte dont il est question, c'est le respect que nous devons au Dieu qui donne le salut et pas la peur qui nous envoie en enfer. On ne perd pas le salut que Dieu te donne. Dieu n'est pas quelqu'un qui donne d'une main et puis retire d'une autre. Notre Dieu n'est pas comme ça. Notre Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il n'a pas envie d'envoyer les chrétiens en enfer. Ce sont ses enfants. Il vous a adopté en Jésus-Christ. Vous êtes à lui. La Bible vous appelle royaume des sacrificateurs. Vous êtes des saints. Les saints de Bruxelles. Dieu n'a aucune intention de vous envoyer en enfer. Mais quand vous travaillez avec tremblement, c'est parce que vous travaillez chez le Dieu Tout-Puissant. C'est le respect que vous devez à ces dieux-là. Quand la tâche est donnée par quelqu'un, ta manière d'accomplir cette tâche reflète le respect et l'honneur qui t'est rempli par rapport à la personne qui a donné la tâche. Amen. Vous avez entendu parler de ces menuisiers, ou plutôt ces maçons qui avaient manqué de respect pour son chef. Hein, c'est un grand chef constructeur, un architecte qui l'a utilisé pour construire plusieurs maisons. Et puis, un jour, il était au point d'aller à la retraite. Et son patron lui dit, comme ça nous nous séparons correctement, tu vas me construire un dernier projet. Et ce projet-là, je veux que ce soit l'un des projets dont on parlera dans l'histoire. Alors, il lui a donné tout ce qu'il fallait. Il lui a dit, choisis les matériaux, fais tout ce que tu dois faire et construis-moi une de ces meilleures maisons ici. Et monsieur, lui, il regardait à sa retraite. Il se disait, maintenant que je vais partir à la retraite, je n'aurai plus assez d'argent, je n'aurai plus de salaire. Alors il choisissait les matériaux les moins chers pour garder un peu de reliques, un peu de dividendes dans la poche. Et il a négligé la construction. Mais la maison était agréable à voir, elle était assez bonne. Et puis, il est venu chez son patron. Il a dit, patron, la maison est accomplie et les clés sont là. Il a déposé sur la table du patron. Il a dit, félicitations pour tout ce que tu as fait. Tu as voulu me réjouir avant d'aller à la retraite. Cette maison, c'est ta maison. Alors, il a récupéré les clés. Il est parti à la retraite avec sa maison. Sauf que c'est une maison qu'il a négligée. Et son vrai problème, c'était quoi? C'est le manque de respect pour son patron. S'il avait respecté son patron en se disant, on va se séparer, mais je vais lui rendre tout ce qu'il m'a fait en faisant exactement comme il a demandé. Il allait aller à la retraite en se réjouissant. Mais vous comprenez bien qu'il n'est pas allé à la retraite en se réjouissant. Parce qu'il savait très bien que cette fenêtre-là, dans quelques semaines, ça risque de casser. Il faudra la réparer. Que les histoires que j'ai mis là-bas à la toilette, il se pourrait qu'il faudrait tout refaire. Et je n'aurai pas assez d'argent pour refaire tout cela. Et ainsi de suite. Il avait toutes les possibilités
de faire le travail et dire à son patron, non, je n'ai pas assez d'argent, ajoute l'argent parce que il y a les matériaux qu'il faut, ainsi de suite. Mais non, il a négligé. Nous, on ne peut pas négliger. Nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Alléluia. Travailler à notre... Alors, vous savez, bien-aimés, les effets divins, c'est quoi? Les effets divins, au fait, c'est l'émanation de la vie nouvelle. C'est-à-dire, c'est comme si nous sommes un souffleur. Vous voyez les souffleurs. Il y a certains types de chauffage qu'on utilise. On en a déjà utilisé dans l'histoire de notre église et qui sont des souffleurs. C'est-à-dire, quand vous les allumez, ça souffle l'eau chaude. Qu'est-ce que je dis? L'air chaud à l'intérieur de la maison. Et alors, la température monte. Eh bien, c'est ce que Dieu veut. Sa vie qui est en nous se souffle au travers de notre comportement, de nos paroles, de tout ce que nous faisons. Mes frères et sœurs, vous savez, un jour, l'apôtre Paul pose la question aux Corinthiens. Il leur dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples de Dieu? Amen. Vos corps sont quoi? Le temple de Dieu. Vos corps sont le temple de Dieu. Quand on dit corps, temple de Dieu, cela veut dire votre comportement, vos paroles, vos faits, vos gestes, vos regards, votre manière de vous comporter. Quand les gens regardent, ils disent, mais il est différent, elle est différente. Pourquoi? Parce que vous êtes une nouvelle créature. Amen. Travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. Travaillons à notre salut. Un esprit nouveau. Affichage de la beauté et de la vie de Dieu au travers de nous. Dieu tient à être visible au travers de nos vies. Dieu veut être visible parce qu'il veut se glorifier de son œuvre achevée au travers de nos vies. Dieu veut être visible. Quand on t'entend parler, il faut que Dieu soit visible. Quand tu passes, Dieu est visible. Travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. J'ai parlé des effets divins, mais laissez-moi aussi vous parler des effets charnels. Parce que quand nous parlons des effets divins, nous risquons de nous contenter, de nous dire, ah, est-ce que je peux? Tout à l'heure, j'ai évoqué ça, n'est-ce pas, en parlant de Martin Luther, qui est allé à la rivière pour noyer la chair. Il avait oublié que la chair savait nager. Les effets charnels existent. Beaucoup d'entre nous, on ne nous a pas vu vivre païens. Vous ne connaissez presque pas le frère Kibutu, païen, quand il n'était pas encore frère. Au fait, quand je vous dis que j'ai fumé les chanvres, pour vous, c'est comme un peu la science-fiction. C'est comme si j'exagère pour montrer que, bon, on n'est pas tous parfaits. C'est la vérité, j'ai vraiment fumé les chanvres. Et les yeux étaient devenus rouges, comme un démon. Je n'oublierai jamais un jour. J'ai fumé les chanvres. Et quand j'ai fini, je suis venu en classe, en troisième secondaire, dans l'après-midi. Je suis arrivé en retard. Et il y avait un professeur, Manianga, qui était en train de... C'était notre professeur, je crois qu'il donnait les cours de français. Alors, qui était en train de parler. Je suis allé m'asseoir et je l'ai regardé. Tous les autres étaient en train de noter. Moi, je regardais le professeur. Il parlait. Et je l'ai regardé. Et je le voyais comme un petit homme. Sous l'influence des les effets charnels. Les effets charnels existent. Les effets charnels. Il y a des phrases. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler une phrase en lingala comme celle-ci. Kolobi sangali susute. Bandalelo, kolobi sangali susute. Vous avez déjà entendu?
C'est fini. Comme si cela s'accomplirait. Vous avez déjà entendu ça? Ça s'appelle les effets charnels. Les effets charnels. Au fait, les effets charnels existent partout. Les effets charnels. Baissez la voix. On est à l'église. Quand vous voyez comme ça, on essaye d'étouffer les effets charnels. Parce que les effets charnels sont en train de gonfler, gonfler, gonfler. Plusieurs parmi nous, on ne nous a pas vus païens. Seulement le problème, c'est que les effets charnels, à tout moment, peuvent surgir. Les effets charnels. Savez-vous ce que l'apôtre Paul dit? Comment soigner les effets charnels? Il dit, ceux qui sont à Jésus-Christ. Amen. Ceux qui sont à Jésus-Christ, pas en Jésus-Christ, mais à Jésus-Christ, c'est-à-dire ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Ceux qui ont le salut. Il dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair. Lisons ça. Ça doit être dans Galates, n'est-ce pas? Si vous connaissez où ça se trouve, vous pouvez toujours me dire. Je crois que c'est Galates chapitre 5, le verset 24. On peut lire là-bas. Galates chapitre 5. Et le verset 24 nous dit ceci. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. La chair de qui? Pas la chair des autres. N'allez pas crucifier la chair des gens. Que ta chair la soit crucifiée. Non, 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 non. C'est la tienne. Tu en as une. Amen. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, l'un de leurs devoirs, c'est quoi? Crucifier la chair. Vous savez, quand on crucifie, c'est contre la volonté de celui qu'on crucifie. Amen. Donc, ta chair là, tu la crucifies. Mais ce que j'aime, pourquoi c'est écrit dans la Bible? Parce que nous en avons la capacité. Seulement, nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Alors, nous nous rendons compte que nous sommes capables de crucifier la chair. Vous savez, souvent nous faisons la liste des sujets de prière. Quel pauvre sujet de prière que les enfants de Dieu portent devant Dieu. Donne-moi du travail. Donne-moi de l'argent. Que mes enfants soient gentils. Que je ne sois pas malade. Alors qu'il y a une costaud de chair qui fait des dégâts, mais on ne la touche pas. Alors qu'on est capable. Le salut que nous avons, c'est un instrument capable de crucifier la chair. Parce qu'il y a la puissance de Dieu dedans. Amen. Dans le salut que tu as reçu, il y a la puissance de Dieu. C'est pourquoi nous parlons des effets divins. Il y a la puissance de Dieu dans ce salut-là. Et alors, tu deviens capable de crucifier la chair. C'est-à-dire, tu l'empêches de s'exprimer. Tu l'empêches de prendre le dessus. Tu l'empêches d'accomplir ce qu'elle veut accomplir. Ta chair, tu la crucifies. Quelqu'un m'a dit un jour, et si on n'arrive pas? Et je lui ai répondu, c'est dangereux. Pourquoi je lui ai dit c'est dangereux? Dangereux parce que cela pourrait, dans certains cas, signifier que tu n'as pas de salut. Tu n'as pas le salut. Parce que si tu n'as pas le salut, tu ne peux pas crucifier la chair. La chair est plus forte que toi. Quand tu veux la crucifier, tu es malheureux pour tout et moi. C'est comme chasser les démons sans être avec Jésus. Vous avez entendu des gens qui ont chassé les démons sans être avec Jésus? Ça se trouve dans la Bible. Hein?
Il y a le fils d'un sacrificateur. Ils ont vu des gens en train de chasser au nom de Jésus. Et puis les gens se mettent à tousser, à vomir. Et puis les démons sont sortis. Oh! Et ils ont dit, mais nous, on est les fils d'un sacrificateur. Alors ils sont allés quelque part. Ils ont trouvé un fou. Ils ont dit, toi, au nom de Jésus que Paul prêche, sors! Et le fou leur dit, je connais Jésus. Je connais Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Il ne s'est pas limité à ça. Il ne s'est pas limité à ça. La Bible dit qu'il s'est jeté sur eux et pour utiliser le langage du siècle, il les a rossés. La Bible est allée plus loin encore. Ils les ont fouillés nus. Donc, les fous les a rendus fous. Il n'y a que des fous qui n'ont pas d'habits. Donc, les fous les a rendus fous. Il a pris autorité sur eux. Qu'est-ce qui leur manquait? Oui, il manquait le salut, tout simplement. Le salut n'était pas en eux. C'est la raison pour laquelle il faut avoir le salut. Et quand, maintenant, il faut s'épanouir, n'est-ce pas, dans les effets divins de notre vie nouvelle, eh bien, une des choses que nous devons faire, c'est revenir sur notre salut. Ça fait partie de travailler à notre salut. Revenir sur notre salut. Vous savez, il y a un cantique qu'on a chanté dans le temps de réveil. Rééditez-moi l'histoire de l'amour de Jésus à la croix. Rééditez-moi l'histoire. Rééditez-moi l'histoire. Donc, tu reviens sur ton salut. Tu en parles pour que les effets soient frais. Frères et sœurs, vous savez, nous sommes à une époque où nous mangeons beaucoup. Hein? Où nous mangeons beaucoup. Toutes les nourritures sont goûtées. Il y a une seule nourriture que moi, je n'ai pas encore mangée. Je vais vous le dire. Caviar. J'ai déjà mangé le caviar. Oh, vous êtes nombreux, mais vous êtes en avance. Vous. Un jour, j'étais dans un restaurant où on offrait toutes sortes de choses à la, encore au Cameroun. Et puis, j'ai vu dans un coin les caviars. Self-service. Je les ai regardés. J'ai dit non. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais goûter les caviars. J'ai refusé de prendre. C'est la seule occasion où j'aurais pu prendre, mais je n'ai pas goûté. J'ai dit non. Le jour où je prenais le caviar, je dois être avec quelqu'un qui s'y connaît pour qu'il m'explique un peu qu'est-ce qui se passe. Nous sommes à l'époque où on mange beaucoup de nourriture. Mais je pense qu'une des leçons répandues, c'est que nous devons veiller sur la fraîcheur de ces nourritures. Parce que si ces nourritures sont infectes, elles peuvent nous affecter. Elles peuvent nous rendre des jours difficiles. Nous pouvons devenir des abonnés d'un petit coin quelque part. Nous devons veiller à ce que ces nourritures soient, n'est-ce pas, fraîches. Eh bien, c'est comme ça, lorsque nous marchons avec le Seigneur, nous devons rafraîchir notre salut, y revenir. Nous rappeler les jours où nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Nous rappelons les circonstances dans lesquelles nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Et nous en parlons avec le Sauveur comme une belle histoire. Regardez l'apôtre Paul dans les Actes des Apôtres. Il revient plus d'une fois sur les jours où il a croisé le Sauveur. Il dit lui-même qu'il était aveuglé. Et il a entendu une voix qui lui a dit, il te serait dur de régimber entre les aiguillons. Qui es-tu? C'est moi Jésus que tu persécutes. Et c'est toute une histoire qui est racontée au sujet du salut de Paul. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas dépendre d'une histoire supposée, d'une histoire fabriquée, imaginée. Tu dois avoir une histoire réelle. Frères et sœurs, l'histoire, justement, l'histoire, souvent, on ajoute un mot, une sorte d'adverbe, événement.
L'histoire est souvent événementielle. C'est lié, donc on peut la situer dans le temps. Même si tu ne te souviens pas de la date, mais tu dois te souvenir du jour. C'est un peu comme quand nous parlons de Noël. Nous ne perdons pas notre temps de discuter sur le 25 décembre. Nous savons qu'un jour comme celui-ci, un jour quelconque, Jésus est né. C'est sûr et certain, à l'absolu. De la même manière qu'il y a un jour qui nous a vu naître. Eh bien, c'est ça exactement. Revenir sur notre salut. Travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Pourquoi? Parce que c'est le point de départ de tout ce que vous avez à faire avec Dieu. Pourquoi un jour Jésus dira à certains, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Savez-vous pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas d'histoire du salut. L'absence de l'histoire du salut, c'est l'absence du salut. Je ne vous ai jamais connu. Vous savez, Jésus est honnête. Hein? Il ne te dira pas qu'il t'a connu quand il ne t'a pas connu. Il ne va pas arrondir les angles en disant, bon, il a quand même fréquenté l'église, la chandelle. Bon, ça va. Les gars, non, pas Jésus. Il s'appelle la vérité. Il s'appelle la vérité. Travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. Bien-aimés, c'est parce que nous avons négligé le salut que nous tombons dans un certain nombre de pièges. Je vous dis la vérité. Parce que celui qui sait en qui il a cru ne bouge pas quand on lui demande de bouger par n'importe qui. Bouge, et puis il bouge. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas bouger. Parce qu'il sait en qui il a cru. C'est ça ce qui fait la stabilité. Vous savez, les jours où les gens de Campus pour Christ sont arrivés à Kinshasa et qu'ils ont parlé de recevoir Jésus dans les quatre lois spirituelles, ils ont bousculé beaucoup de gens. Ils expliquent, si tu n'as pas reçu Jésus, si tu n'as pas invité Jésus dans ton cœur, tu n'es pas encore sauvé. Ne regarde pas tes œuvres, ne regarde pas aux pratiques, ne regarde pas à tout ce que tu as fait pour Dieu ou pour les hommes. Regarde à ce que tu as fait pour recevoir, inviter Jésus dans ton cœur. Quand ils ont fini d'expliquer, on a terminé la réunion, les gens étaient très calmes. Mais pourquoi ils étaient calmes? Parce que chacun était en train d'essayer de retourner dans l'histoire pour découvrir si le salut a existé ou pas. Parce que là, il n'y a personne qui peut t'aider. Ni homme, ni femme, ni mari, ni épouse, ni père, ni mère, ni cousin, ni oncle, ni pasteur, ni évêque. Personne ne peut t'aider. C'est toi-même en face du Sauveur. Et pendant que j'étais là en train de réfléchir, je me suis retrouvé là devant, là, en train de donner ma vie à Jésus-Christ. L'histoire. Redites-moi l'histoire. Travaille à ton salut avec crainte et tremblement. Mon frère, ma soeur, ne joue pas à la honte de recommencer à zéro. Ne joue pas à la honte. Parce que le salut lie l'éternité. C'est au siècle de siècle. Amen. Donc, entrer dans la mort sans salut, c'est au siècle de siècle. Au siècle des siècles. Nous sommes allés prêcher l'évangile à Boma. Et là-bas, après avoir prêché à la fin, j'ai demandé à ceux qui croyaient qu'ils n'ont jamais donné leur vie à Jésus-Christ de se lever et de s'avancer pour donner leur vie à Jésus. Certaines personnes qui se sont levées pour s'avancer, si j'étais leur pasteur, j'aurais voulu leur dire, non, toi, assis-toi, c'est bon. Mais tu ne peux pas dire à quelqu'un, assis-toi, c'est bon, car tu n'en sais rien. Il n'y a que Dieu qui sait. Et la personne concernée. Quand la lumière vient, wouh, et balaye tout ton esprit et toute ton histoire, tu sais si le salut est là ou s'il n'est pas là. Parce que tout le reste,
La vie abondante, la protection divine, l'exaucement des prières, l'accomplissement des grands miracles de Dieu, tout le reste t'échappe si le salut n'est pas là. Tu es exclu de la liste. Ça ne te concerne pas. Exaucer les prières, ce n'est pas pour toi. Aller au ciel, ce n'est pas pour toi. Protection des démons, ce n'est pas pour toi. Le diable frappe et il te tue. Mais moi, je te protège. Cette protection, ce n'est pas pour toi. Quand tu n'as pas le salut. Les sorciers viennent et lancent des javelots avec des incantations les jours de ta naissance, de ton anniversaire. Et tu ne peux pas être protégé parce que le salut n'est pas là. Et si le salut n'est pas là, ce n'est pas pour toi. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez à votre salut. Vous savez, Dieu ne nous a pas demandé de travailler au jeûne et prière avec crainte et tremblement. Malgré le respect que j'ai, et j'ai même des histoires personnelles magnifiques avec le Seigneur sur le jeûne et la prière. En sorte que je ne pourrais jamais dire que ce sont des exercices inutiles. La Bible est très claire. Quand l'époux vous sera enlevé, vous jeûnerez. C'est clair. Jésus lui-même a jeûné. L'apôtre Paul dira même qu'à cause des jeûnes interminables, et ainsi de suite, les exercices dont la Bible nous parle sont précieux, entre autres les jeûnes et la prière. Mais la jeûne et la prière ne génèrent rien si le salut n'est pas là. Tout commence par le salut. Après, tout devient possible. Tout commence par le salut. Et après, tout devient possible. Amen. Notre monde attend le pouvoir des enfants de Dieu. Vous savez qu'une des grâces qui va vous arriver lorsque vous travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, eh bien, une des choses qui va vous arriver, c'est que vous allez faire l'expérience. L'expérience de la lumière divine. L'expérience de l'autorité divine. L'expérience de l'onction divine. Vous parlez, vous sentez que vous êtes assisté. Qu'il y a des paroles, qu'il y a la suite dans les idées. Qu'il y a comme une dictée qui te vient. Et cela vient de Dieu, vient de l'Esprit de Dieu. Mais tout commence par le salut. Si un jour on te rencontre, tu commences à ressusciter les morts, d'où cela viendra? Ça commence par le salut, ton salut. Quand le salut est là, tout le reste devient possible. Tout le reste devient possible. Vous savez que aujourd'hui on parle de l'Afrique comme étant le véritable réservoir pour ce monde dans les richesses. Mais il y a une richesse qui est négligée par les Africains eux-mêmes. Ils oublient que le fait dans un pays d'être nombreux à avoir reçu Jésus-Christ, c'est plus riche que toutes les richesses de la terre réunies. Parce que vous êtes capable de transformer les richesses existantes. Et vous êtes aussi capable d'en créer celles qui n'existent pas. Parce que vous êtes avec Dieu. Quand vous avez le salut, le Dieu d'Israël devient votre propre Dieu au niveau individuel. C'est terrible comme expérience. Le Dieu d'Israël, Israël, c'est tout un peuple. Mais quand tu as le salut, Dieu devient ta chose. Il est à toi. Il t'appartient. Le Dieu tout-puissant. Tu entres dans ta chambre. Tu lui parles comme un cousin, comme un oncle, comme un ami. La Bible dit même qu'il est un ami fidèle et tendre. Quand le salut est là, tout change. Alors vous comprenez que l'apôtre Paul, le bon enseignant de la parole de Dieu, nous exhorte à travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Nous sommes dans le dernier jour d'une année. Dieu est un comptable. Il s'intéresse aux époques. Il s'intéresse à la signification des jours. C'est lui qui les a tracés. Il en sait mieux la valeur que nous qui en profitons.
Un dernier jour de l'année, ça l'intéresse beaucoup. Quand il veut parler à quelqu'un, un dernier jour de l'année, c'est parce qu'il regarde comment tu as vécu pendant toute une année. Et que parfois qu'il y a eu des négligences terribles. Mais maintenant, il fait stop. Pas stop. Attention. Il est temps maintenant que tu travailles à ton salut avec crainte et tremblement. Parce que Dieu veut être visible au travers de tes actes, de tes paroles, de ton comportement de chaque jour. Dieu veut être visible. Il veut sa part de sauveur, sa part de ton Dieu, sa part du Tout-Puissant, au travers de l'homme qu'il a créé et qu'il a recréé en Jésus-Christ. Tu es à lui. Parce que tu es à lui, il tient à toi et il veut s'exprimer au travers de toi. Tu deviens un lieutenant, porteur de Dieu aux hommes. Lumière du monde, celle de la terre. Nous pouvons, tous chrétiens, tous les chrétiens réunis, pleins de foi et d'assurance du salut, nous pouvons changer notre monde. Nous pouvons faire taire des armes. Une seule prière et Dieu agit dans tous les cœurs de ceux qui décident. Et ceux qui refusent de se soumettre à Dieu, Dieu appuie sur leur cœur et ils cessent de battre. Vous le savez. Si Dieu a mis, souvent les gens se posent la question, mais c'est incroyable, un morceau de chair et qui bat pendant plusieurs années. Mais c'est magnifique. Oui, c'est magnifique, mais c'est aussi facile d'appuyer par Dieu qui l'a créé pour que ça s'éteigne. C'est aussi facile. Et c'est fini. Et tu entends quelqu'un qui te dit, sors. Quoi? Sors. J'étais logé pendant 20 ans, c'est assez. Sors de mon corps. Le corps te dit de sortir. Oh, mais c'est moi le corps. Non. Toi, tu es un esprit. Sors. Va au jugement. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Je ne veux pas seulement prier pour terminer une prédication. Je voudrais donner l'occasion à chacun de nous tous à se tourner vers Dieu sur un plan strictement individuel et parler à Dieu. Dis-lui que tu t'engages à libérer ton salut, que tu l'as peut-être étouffé dans beaucoup de domaines de ta vie. Tu as refusé à ton salut de t'exprimer dans certains domaines de ta vie. Mais que maintenant, eh bien, tu t'engages à travailler à ton salut avec crainte et tremblement. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je commence par te remercier de ce que tu m'as donné la parole. Je sortais de ma maison avec des notes et je ne savais pas trop par où commencer, par où terminer. Mais tu m'as donné à dire des choses que j'espère feront du bien à ceux qui les ont entendues. Je sais, Seigneur, que je n'ai rien d'autre de plus sûr que mon propre salut. Et tu as toujours situé le salut au niveau individuel. Père, je te demande pour nous tous, pour moi-même et pour tous mes frères et sœurs ici réunis, et que en ces derniers jours de l'année 2023, nous ayons à nous engager devant toi pour travailler à notre salut, pour crucifier la chair là où elle s'exprime encore avec liberté parce que nous n'étions pas assez clairvoyants. Nous voulons
vraiment de tout notre cœur. Jésus, tu nous regardes et tu nous écoutes. Nous voulons de tout notre cœur travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Pour t'honorer, pour te respecter et surtout pour permettre à tout ce que tu as placé de puissant en nous de s'exprimer en notre faveur, entraînant la protection, entraînant des effets glorieux de ta puissance, entraînant des miracles incalculables selon les besoins de nos vies et les besoins de notre temps. Des nations entières attendent un toucher qui vienne de toi. Et tu nous fais comprendre aujourd'hui que ton toucher n'agira pour aucune nation, sinon quand ce toucher transite au travers des saluts de ceux qui travaillent à leur salut avec crainte et tremblement. Tu fais de nous de véritables partenaires divins pour pouvoir faire arriver les effets de Dieu dans nos sociétés, dans nos vies et pendant notre génération. Beaucoup trop de monde pendant notre temps se contente de puiser dans l'intelligence, de puiser dans les connaissances répétées par des examens et des interrogations, de se contenter de puiser dans des histoires apprises par l'expérience à les répéter dans l'agir quotidien sur le plan professionnel. Mais ils sont si nombreux qui puisent dans le divin, qui puisent chez le Dieu tout-puissant qui existe et qui est le rémunérateur de tous ceux qui croient en lui. Maître du ciel et de la terre, nous t'accueillons, car nous sommes chez toi, chez nous. Et nous allons travailler à notre salut, avec crainte et tremblement, pour entrer en trombe dans la nouvelle année avec puissance. La nouvelle année a besoin de grandes choses. Et nous nous inscrivons dans la liste, aussi longtemps que le salut est là. Par contre, Seigneur, je pense à cet homme, à cette femme parmi nous, qui peut-être en regardant son histoire se dit, je ne me souviens pas, je ne vois pas par où le salut est entré dans ma vie. Eh bien, toi, tu as expliqué dans ta parole que si quelqu'un de tout son cœur place toute sa confiance par des mots simples du type, Jésus, tu es mort sur la croix, et là, tu as pris tous mes péchés, et maintenant je veux que ta vie entre en moi. C'est le salut. Jésus, tu es mort sur la croix pour mes péchés, et là, tu as été condamné pour des péchés que tu n'as pas commis, parce que c'est moi qui ai commis ces péchés. Tu as pris tous mes péchés. Et parce que tu as pris tous mes péchés, en échange, tu me donnes ta vie nouvelle. C'est cela, le salut. Je te le dis, Seigneur, simplement, et tu agiras par ton esprit pour accomplir le salut dans le cœur de celui qui se donne totalement à toi. Et dès que le salut est là, nous pouvons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Père Saint, de tout cœur, merci pour tout ce que tu accompliras. Papa, tu le sais, il y a des moments où j'ai envie de dire plus, mais il y a des moments où je me rends compte que je dois me taire pour que toi tu commences le travail, que seul toi tu peux faire dans le cœur des hommes. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen.